Et yo tout le monde, c'est LM's Gaming. Donc on se retrouve aujourd'hui sur un jeu de DS. Donc je suis sur émulateur, j'avais vraiment envie de faire ce jeu. Attendez, je baisse le son parce que j'ai le son à fond dans les oreilles. Oui, de faire une vidéo sur ce jeu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est Yu-Gi-Oh! GX Spirit Color. Oui, c'est comme ça qu'on dit. Et alors si vous savez pas, je suis une grande fan de Yu-Gi-Oh! Voilà, j'ai toujours été une fan de Yu-Gi-Oh! Oh merde, j'ai direct commencé et tout. Ouais, voilà, Yu-Gi-Oh! C'était trop ma vie quand j'étais petite et toujours. Enfin bref, ben, on va direct commencer. On va faire une sorte de let's play, je pense. Enfin, je vais faire un premier épisode, je vais voir si ça me plaît. Et si oui, on continuera. Donc, ah oui, par contre, vous avez pu voir, le jeu est en anglais. Bon, mon niveau d'anglais n'est pas si nul que ça. Donc, je vais essayer de vous traduire. Et le mieux possible. Et voilà, on commence. Donc, en gros, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est pas exactement ça, mais c'est pas grave. Le bateau va arriver à la Duel Academy dans environ une heure. Ah, c'est toi! Long time not see. Genre, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. T'as aussi été à l'académie? Pour te dire vrai, j'avais un peu peur. Parce que l'examen d'entrée est un peu difficile. On va dire ça. Donc, l'entrée de l'examen. Enfin, ouais, les examens d'entrée de la Duel Academy. Alors, pré-duel d'examen. Ouais, toi, j'ai une petite question. Tu vas à la Duel Academy, toi aussi. Ah, comment je le sais? Eh ben, tu dois affronter un dueliste. Donc, tu sais. Ils ont oublié un mot, je crois. Tu sais où est l'examen, le hall d'examen? Je suis un peu perdue, tu sais. Ouais, je crois que je vais pas tout traduire parce que ça va être vraiment. C'est chiant de passer de l'anglais au français, franchement. Mais bref. Bon, voilà, à la Kaiba Court. C'est où ça? Derrière moi. Oh, là-bas, ok. Ça ressemble. Ouais, t'as raison, ça ressemble à la Kaiba Court. Sûrement parce que ça l'est. Ah, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Janen Yuki. Ravie de te rencontrer. Moi aussi, je suis ravie de te rencontrer. Quel est ton nom? Yop yop. C'est quoi cette connerie? Donc, on va effacer tout. Et on va s'appeler LM's Gaming, bien sûr. Alors, j'avais déjà été vite faire un petit tour sur le jeu. Merde. Donc, je sais qu'on peut mettre voilà des petites apostrophes et tout, c'est sympathique. Je cherchais le G. Hop, LM's Gaming, parfait. Ah oui, on peut faire. Alors bon, vous allez voir les cheveux, il y a lui, genre normal, hop. Il y a vraiment des cheveux un peu de bolos. Enfin genre, ça va absolument pas avec le visage. Bon, ouais, je vais prendre la numéro 1, normal. Et les visages, ils sont tous moches aussi. Et moi, j'aime bien le numéro 10. Ailleurs, ce visage, mais moi, j'aime bien, il est un peu plus mystérieux. Genre, Aster Phoenix, c'était mon personnage préféré. Donc, tout va bien. Hop, c'est bon. Oh, c'est un sweet name. Genre, c'est un joli nom. Donc, parfait pour un dueliste. Oh, les examens d'entrée vont commencer. Let's go! Allons-y, let's go! Oh, vous allez avoir un problème. Je crois que tous les duels sont finis. Et j'ai entendu le professeur en charge qui parlait des examens. Ah, qui parlait examen officiel, c'est. Genre les officiels de l'examen. Je sais pas comment vous le traduire. C'est genre les gens. Bref. Et ils disent qu'ils vont sûrement pas laisser les autres faire l'examen. Il fait, mais c'est bon.
t'en fais trop, tu te fais trop de soucis. On n'était pas en retard ou quoi. C'est pas pour ça qu'ils donc ils vont pas nous laisser. Enfin, c'est pas comme s'ils allaient pas nous laisser faire le test, quoi. Et là, il y a Crawler qui arrive. En vérité, qu'est-ce que t'as dit? Il y a deux retardataires qui viennent juste d'arriver à mon examen. Inexcusable. Pas de test pour eux. Déjà, on s'est mis crawler à dos dès le premier jour, c'est pas cool. Attendez, j'ai une bonne idée. Je vais faire un duel avec eux personnellement. Donc, ah, lequel est le premier? Zaden en mode moi, moi, moi. Et on a l'impression que ça va être un bon duel. Bon, alors vous n'étiez pas seulement en retard à l'examen, mais en plus vous avez affronté. Alors, faculty, je sais pas ce que c'est. Ça doit être genre. Crawler, quoi? Ouais, quel était son nom? Crooner, Crimper? Ouais, c'était genre un haut gradé, quoi. Bon, c'est pas grave, mais tu l'as battu, waouh! J'aurais aimé être si fort. Donc, on va arriver à la Duel Academy. Prenez vos affaires avec vous. Voilà, là, il y a Lille. Que l'on veut. Ah, je vois Lille. Ah, ben oui. Je me demande comment est la vie à la Duel Academy. Nous allons très bientôt le savoir. Waouh, on y est enfin. Au fait, il y a quelque chose que je voulais te demander. Est-ce que tu te rappelles qui tu es? Alors on va mettre oui, bien sûr. Tu es Sirius. Oh. I don't believe you. What's my name? Quel est mon nom? Je te crois pas. Ah. Ah, tu vois, tu t'en rappelles pas. C'est Sirius. Sirius Struzzel. Alors que moi, je me rappelais hein, la base, quoi. Alors j'ai entendu que je pense que c'est le chancelier. Enfin, le directeur, sûrement, va donner, ça se dit pas donner un discours, enfin faire un discours au campus. Allons-y. Hop. Oh, le petit bonhomme il marche et tout. Ah, voilà. À la Duel Academy, pas là, trop de souvenirs. Oh. Hey! Hélène Gaming! Ah, je savais que t'allais réussir. Ça va être cool de vivre à l'académie. Blablabla, je savais que tu réussirais, Jaden. Bien sûr, je vais être le meilleur maître des, je vais être le maître des duels. Bon, t'es très confiant, soupir. Sight, c'est genre soupir. Et j'aurais aimé l'être aussi. Bon alors, et les gars, on dirait que le directeur va parler. Oui, c'est le directeur, j'avais raison. Shepard. Alors, bienvenue à la Duel Academy. Je suis le directeur Shepard. Enfin, chancelier, je sais pas quoi. Enfin, bref. Alors, et vous êtes les meilleurs et les plus prometteurs, on va dire, duellistes de ce monde. Vous avez affronté beaucoup d'obstacles pour aller si loin. Donc, vous pouvez vous considérer comme des duellistes d'élite. Je sais pas pourquoi elle a dit ça. Je veux que vous amusiez à faire des duels et à étudier. Après, bon, je pense que j'ai ennuyé assez de monde avec mon petit discours, quoi, en gros. Donc, je vais laisser les autres directeurs, ouais, les directeurs de maison là, genre, ouais, des dortoirs. Pour les autres, bon, les autres détails, blabla. J'espère que vous allez faire de bonnes choses. Et voilà. Donc, Jaden de retour. Waouh! Les discours, ça me donne envie de dormir. Donc, dans quel dortoir allons-nous? Ah! Il me demande. Ben, on va aller dans les rouges. Mais moi, j'aimerais bien aller dans le bleu. Je mets quoi? Je vais aller dans le bleu. Je vais cliquer sur le bleu. Ou après ils vont me dire, je vas-y bah, on s'en bat les, moi je vais aller au bleu. Ah, c'est faux, il me dit, c'est faux.
T'as pas lu le manuel? La couleur de nos uniformes dit dans quel dortoir on va être. Ah, et Janet en mode, ah, je le savais pas ça. Bon, donc ça veut dire qu'on est tous dans le dortoir rouge. Bon, ben allons dans notre dortoir. Oh, moi je voulais aller dans le dortoir bleu, le dortoir des plus forts et tout. Bon, c'est pas grave, alors ça, c'est le dortoir rouge. Roaches. En gros, bon, je sais pas ce que c'est roaches, mais c'est genre... genre même des animaux voudraient pas vivre ici ou des trucs de genre. Et t'étais en mode, oh mais ça va. Ça paraît un peu vieux, mais on a une belle vue et tout, c'est parfait. Et Cyril qui dit, bon ben je pense que je vais m'y accommoder, je crois que c'est dit en français, peut-être. Bon alors, on dirait que moi et Jaden sont dans la même chambre. Nous sommes dans la même chambre. Et toi, tu es dans la chambre d'à côté. Et là, il dit, ouais, on va poser nos affaires et on va explorer l'île. Et on va se rencontrer dans notre chambre. Bon, allez, ok, LM's Gaming. Quand t'as tout préparé, tout rangé, ben, viens nous voir dans notre chambre. Salut. Ok. Je suis abandonnée. Oh, donc, attends. Alors, ah oui. Hop, ça, c'est les petites lettres. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, j'ai été acceptée à la Duel Academy. C'est super. Après, DP info. Ah, c'est les points, là. Donc, en gros, ouais, on peut acheter des cartes pour renforcer notre deck avec les points. Duelistradar. Okay. Je suis en train de lire et après je vous dis. Ah oui, en gros, on a un truc pour regarder où c'est qu'on peut trouver des adversaires. Bon, bref, c'était juste la petite info. Ah ouais, non, moi je veux rien de tout ça. Ah, ok, ça c'est pour sauvegarder. Alors je sais pas si je peux vraiment... Non, ça c'est bon. Ah non, c'est le bed pour... Le bed, le lit pour sauvegarder. On peut dormir aussi, c'est stylé. Je sais pas vraiment si ça va sauvegarder en fait. Parce que... Sur émulateur, je sais pas comment ça marche. Ah, il y a mon armoire. Bon, j'ai qu'un truc de duel. Ah, et après, ça, c'est les trucs, mais on va laisser ça. Ouais, bon, bref. Ah, mais moi, je vais aller. Voilà. Attends, non. Ah, merde, je voulais voir mon deck. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai encore perdu. T'es vraiment fort, Jaden. Dis-moi comment tu fais. Arrête d'être si bizarre, Sirius. C'est pas comme s'il fallait gagner ou perdre. Il faut juste s'amuser. La méthode, Jaden. Bref, bon, j'imagine. J'espère que je pensais pareil. Et là, la tête de Jaden, qu'est-ce qui se passe? Ah, LM Gaming, t'es là. J'étais juste en train de faire un duel avec Sirius. Ah, il y a un... Ah, c'est quoi ce bruit? Enfin, il y a un mec qui arrive. Mais je crois que c'est le... Ah non, ah, c'est lui. Les gens cool ont toujours de grands rêves. Ok, ah, c'est un koala. Je suis pas un koala. Je m'appelle Chamwee. Chamwee Huffington. Enfin, je suis votre camarade de chambre. Je suis Jaden, ça c'est Sirius. Et LM's Gaming. Je vais m'appeler Alens parce que, bref. Je m'en fous. Genre, like I care. C'est genre, ouais, c'est super. Mais je m'en fous. Vous avez peut-être arrivé à l'académie. Mais c'est l'heure d'abandonner vos rêves. J'espère qu'il peut faire un duel. On est les rouges. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, Sliffer en français. Rouge, je sais plus quoi. Faudra que je cherche pour le prochain épisode. Vous savez ce que ça veut dire?
Donc ça veut dire que ça dépend de score, c'est vos notes quoi. L'école est divisée en trois couleurs. On a les bleus obélisques qui sont au top. Le second, c'est les jaunes rats. Et bon, alors, c'est des étudiants qui ont fait bien, genre, l'examen d'entrée. Et tout en bas, il y a les Red Sniffer, peut-être en français, un truc du... C'est vraiment... Ouais, je crois que ça ressemble. On s'en fiche au pire. Et c'est, genre, nous, ben, c'était difficile d'entrer et tout. Et c'est notre truc. Et Jalen qui dit « Quoi ?» Mais le rouge, c'est une couleur mignonne. Elle aime Sirius. Ça, l'année n'a pas encore commencé. Comment on peut être les plus nuls? On va aller voir sur l'île. Bon, ils verront aussi vite qu'ils pourront. Ah, ça, c'est le docteur des jeunes rats. Hop, bon, on va voir, on va passer du bon temps et tout, blabla. Ouais, je pense qu'on va s'amuser. Pourquoi être désespéré maintenant alors que on aura plus tard pour être encore plus désespéré. Et je me demande ce que c'est. Alors, donc, c'est le docteur Yéora. Oh, Bastien, je sais pas comment il s'appelle. Oh, il est trop bien ce type, je l'aime trop. C'était mon pote. Bon alors, je suis surpris que vous deux soyez des rouges. Surtout si vous avez battu le docteur Crawler durant l'examen d'entrée. Genre, pas grave quoi. Et qui es-tu? Ah ouais. Je me suis pas présentée. Je m'appelle Bastien Misawa et je suis un type jeune rat. Ah ouais, je me rappelle, toi, t'avais le plus gros score à l'examen d'entrée. C'est le mec qui fait tout bien des maths et tout, mais je l'aimais bien, il est sympa. Donc, ça veut dire que c'est le meilleur dualiste de notre classe. Mais je suis le meilleur. tu dois être vraiment fort pour un dualiste. Why don't we get a game on? Genre, pourquoi on fait pas un petit duel? Mais pourquoi pas? C'est ce que j'ai envie de dire. Mais je dois faire quelque chose. Et bref, il s'en va, quoi. Et la prochaine fois, continuons d'explorer. Ah, on va aller au... Ah non, on est au truc. Ah si, le docteur des Blue Obelisk. On va voir Alexia, d'ailleurs, je crois. Oh, mais quel est ce building? On dirait un palace. Et c'est pas un endroit pour les sniffers. Ah. Je le sentais mal. Ici, c'est le docteur des Blue Obelisk. Ah ouais, c'est dur de traduire Blue Obelisk. C'est dur de traduire les couleurs parce que moi, ça me vient automatiquement dans la tête. Bref. Il n'y a pas de place pour les losers comme vous, en gros. Retournez où vous êtes, d'où vous venez. Ah là. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hospitalité? Sirius, LM, ça l'a dit. Où allons-nous après? Pourquoi pas par là? Il y a un petit dualiste là. Hé, où sommes-nous? Je n'en ai aucune idée. What are you guys doing here? Genre, les gars, qu'est-ce que vous faites là? Quoi? Rien de spécial? Ouais. C'est vraiment louche. Je vais appeler le principal. Louche? Qu'est-ce qui est louche? Ah, genre... C'est le dortoir des filles. Ah, désolé. On savait pas. Oh, je vois. Des nouveaux. Ouais. Bon, j'imagine que je peux vous pardonner. Et je suis Jaden Yuki. Le prochain meilleur dueliste, on n'a qu'à dire. Il y a Sirius et Lems, et qui es-tu? Je suis Alexia, on va l'appeler Alexia, Alexia Roth. Et je suis nouvelle au Blue Obelisk. Oh, regardez l'heure. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un dîner de bienvenue pour tous les nouveaux. Je dois y aller,
ou je vais être en retard. Non, oh, le dîner de bienvenue, j'ai oublié, on doit y aller aussi. Le dîner de bienvenue? Vraiment? Galen au courant de rien, comme d'hab, bye. See ya. Donc salut quoi. Jaden, Elems, si on n'y va pas maintenant, on va avoir des problèmes en gros. Ah, ce serait vraiment un problème en effet. Et donc, nous allons au... à notre chambre. Ok, je croyais que... Ah non, c'est... Oui, le dîner de bienvenue. Donc, c'est la cafétéria des rouges. Enfin bon, je pense qu'on va se quitter sur ça parce que la vidéo fait déjà environ 20 minutes et je trouve ça long à regarder après. On n'a pas eu encore de duel donc je suis un peu deg, c'est vrai. Mais bah, je vais continuer un peu l'aventure jusqu'à ce qu'on en ait un au moins. Donc voilà, on se quitte maintenant mais on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !